Bien oui, bienvenue sur Hôtel Éternel en ce lundi. Et ben, je crois que c'est le 9e jour, qui est le 11e. Un super coucher de soleil, je ne sais pas si on voit. Vous êtes bien sur Hôtel Éternel. C'était un lundi, ça on l'a. Dans le semainier de l'esprit, on s'accorde. C'était une belle journée. De 2h à 4h, il y avait théâtre au Xapa, théâtre on prépare pour ce qu'on va faire. Après, à 5h, je suis allé à Sensas, c'était Sensas. Sinon, le lundi, c'est en la 432. Le lundi, c'est en la. Je suis là. Je m'accorde avec l'univers, on va dire. Avec le cosmos, avec les machins. Si tu veux, la vie est une partition. On est plus de 8 milliards parce que les chiffres sont toujours faux, mais c'est pas accordé. Avec tout ce qu'on gaspille, on pourrait nourrir la planète entière. Mais vous comprenez pas ce que je vous dis. Un petit peu pour tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de riches, il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de voleurs. Et si on n'avait pas d'armes, il n'y aurait pas de guerre. C'est tellement simple. C'est comme les États-Unis, t'avais les Indiens, ils étaient peinards avec les arcs et les flèches, les autres ils sont avec les fusils, ils ont buté tout le monde, et ils ont fait les États-Unis. Ils bombardent encore les Indiens du Dakota du Nord, là, au Césium et à la Monroe. Il y avait le chef l'autre jour à tuer. Ouais. Et demain, ça devient le ciel Montmardi, on passe en scie. Commence à te poser des questions. Et je vous dis bien si. Ça, c'est pour dire. Tu commences à te demander si la vie sur Terre n'est pas une escroquerie. Il n'y en a que pour le pognon. Mais si tout le monde arrête de payer en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont faire caisse commune que fausse commune. C'est tout, pas obligé. En demain, c'est point d'interrogation. Et je vous dis bien si. Aujourd'hui, le lundi, c'est le jour où on s'accorde. Tu sais, il y a 7 jours de la semaine, il y a 7 notes à l'octave, 7 couleurs à l'arc-en-ciel, et nous, on est des multiples de 7. De toute façon, tout sur Terre est multiple de 7. Moins qu'il y a un problème, mais sinon, c'est 7. 14, 21, 28, 20. C'est comme l'âge. Moi, c'était vers ma 8e année, je sais pas, je devais être au CM1. Je dis. Mais vous n'avez pas reçu les sentiments, vous. C'est pas possible. En fait, les disques mous, ils sont formatés à que de la merde. L'humanisme, il est où là-dedans? Tu crois que c'est avec le Macron en bois de sauce Rothschild? Ou tu crois que c'est avec le Donald? Ou les autres, ce sont les mêmes. Non, 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 non. Oh là 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 là. Voilà, voilà, c'était pour dire ma connerie du soir et de l'envoyer. Ça marche que chez Tata l'Oracle. C'est elle qui a eu la boule de feu. Prophétique ici. Prophète, c'était Coluche. Dernier prophète non reconnu avant moi. Ah, il avait un sacré disque mou. C'est du boulot, mais. Moi, c'est total impro tout le temps. Comme ça vient. Comme en musique. Voilà, voilà, voilà. Envoyé spatial pour Téléternel. À vous, Cognac, j'ai pas. Bientôt plus de mémoire dans ce disque dur. Pache salut, Inchalamen, Iraim. Protestodox, Bouddhistobétain, Catholman. Brahmo, Cistercien, tout ce que tu veux. Moi, je suis pour tout le monde. C'est pas des guerres de religion, c'est des guerres de pouvoir. Diviser pour mieux régner. C'est ça, hein. Le papier d'église ce matin. Le peuple d'Israël. Un coup de schlag. Non, en fait, non. Il faudrait les rédempter. Profit bénéfice. Tout pouvoir, tu crois que c'est quoi? Enfin, pas tout. Les plus hauts postes.
Voilà. L'escroquerie planétaire mondiale, où c'est qu'on en est. C'est comme pour ceux qui ont gobé le 11 septembre. Je te signale qu'on m'a fait le camion à Coluche. Ces histoires de chevaliers intergalactiques. C'est spatio-temporel. C'est de la pollution électromagnétique. Les gens qui font des conneries, bon, la plupart ils sont sous cacheton. En plus ils boivent, puis ils boivent et fument. Et les autres ils sont anesthésiés à la télé, aux médias et tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de télé chez moi. Bon, la télé, je regarde le plafond. Il y a un beau plafond, je comprends. Un beau plafond, hein. Il y a les hirondelles. Voici, voilà.